l'argent c'est le gosse, quand tout le monde se moque. Celui qui a pas de pote, pas cool, parce que lui pas smoke. Son dress code n'est plus à la mode, t-shirt white, kiki, jean noir, moulax et des bottes à coque. Blondes sont les mèches de sa nuque longue, son acné plein de pulls le rend plus jaune que Bob l'éponge. Une fois ferré de travers, son sourire étrange, sa petite chaîne en or plaqué autour du cou l'étrangle. Traîner avec lui c'est trop la honte, il se fait raqueter par des cinquièmes, Jean-Jean est en seconde. J'ai commencé par tout ce qui est clash, MCing, des battles d'MC, donc des concours d'impro, des joutes verbales on va dire sur Paris, un peu partout et dans CRG aussi, notamment au Centre Est. Et puis et c'est dans le cadre en fait de Sense Slam que je me suis fait remarquer entre guillemets par un élu de la ville qui m'a proposé un accompagnement, donc Monsieur Motil, et qui m'a dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais chaud pour un accompagnement musical? Voilà, j'ai dit oui tout de suite. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. J'étais chez moi, tranquille, cool. J'avais un concert au Forum de Boréal. Pour l'instant, il y a Jackie en mode soul. Et moi, je suis dans les coulisses, je suis Al. Moi, mes textes, c'est surtout des histoires. J'ai beaucoup d'histoires. Donc, on retrouve ce côté, plus ce côté griot conteur. Mais urban, parce que justement, on a des sons modernes et on s'inscrit dans une certaine actualité, dans un contexte moderne. I'm Inspector McCain now. Plusieurs témoins affirment nous avoir entendu prononcer le mot. Bon. Précédé de vos wallahi billahi et autres formules folkloriques. Eh non, y'a un quiproquo, c'est parce qu'en France, quand on dit c'est de la bombe. On veut qu'en fait les gens aient l'impression qu'il y ait 4, voire 5, voire même des fois 6 personnes qui jouent, qui sont en train de jouer alors qu'on est que 3. Voilà. D'où le projet Urban Griot qui est né, donc à savoir vraiment une musique qui suit le texte avant toute chose. Ce qui compte le plus important, ce sont les textes de musique. On est 3, donc autant exploiter les maximums de possibilités qu'un homme peut faire sur scène. Pas uniquement balancer une suite de notes. La table folle contre les murs, pas les feuillères, rien, les coups pleuvent, on a un lait, clap la cloison nasale et quelques chicots. Le sang s'écoule et les gouttes sur le sol s'écrasent. 2-3 côtes fêlées par un 44, la masse capillaire a grippé contre le mur, fait des ricochets avec les cris de l'inspecteur synchronisé. Answer the question, man. Il faut que je fasse kiffer le public, il faut que je les fasse réagir. Après, c'est pas pareil parce que les gens vont pas réagir sur chaque phrase. Mais c'est. Pour que les gens rentrent dans mon délire, il faut que moi j'y sois vraiment. Si moi j'y crois pas, les gens ils y croiront pas. Mais si moi je suis sur scène et que j'ai l'impression que, effectivement, moi je suis à Bagdad et que ça canarde là, bah, les gens ils rentrent, je pense, c'est plus facile pour les gens de rentrer. Hey! The green! You better listen to that! The boy's being nasty with the stuff! You know he's doing fucking jokes and all this stuff! Wow! Shit! Explosion! La première fois tu es soufflé, celle de James ne peut éviter la collision. À plat ventre contre la poussière, ça crie take cover, take cover! Et des balles fondent le ciel. T'as laissé les semelles de James chanceux. Mon Michael, ça sera la gorge. Arrache sa plaque et adieu. Reste une piste, mon frère. Nous il faut qu'on décampe. Brrr, à la veuve et cherche à se mettre à couvert. Go, go, go! Faut que j'arrive sur scène, sur une scène slam a cappella. Mais que les mecs, ils aient vraiment l'impression que bah, ça tire de partout. Une sorte de grosse production hollywoodienne, donc j'avais vraiment ça dans la tête. Et puis après, justement, je me suis dit, bah, faut pas que ça soit gratuit, faut pas que ça soit une histoire trop facile, genre de gangster ou de machin. Et puis, ce qui se prêtait bien, je me suis dit, ah ben tiens, un truc à Bagdad, et voilà. Son calibre balaye la pièce, le doigt pressé sur la gâchette de toutes ses forces, écrit. Réveille, bande de salarabes, on est venu vous sauver de sa table. On se considère plus comme un groupe de scène, et on pense que avoir le CD sans avoir vu sur scène, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Nous, on veut que ça soit l'inverse, que les gens y découvrent sur scène. Et puis qu'après que le CD soit une sorte de petit gadget collector ou juste un petit post-it de rappel et puis voilà, et puis s'ils veulent rentrer dans les textes, la tête reposée, puis tout capter, assimiler tout parce qu'il se passe plein de choses quand même, et puis voilà, c'est tout. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Urban Griot sera votre équipage. Tout le monde en aura pour son grade. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Hey, la banlieue sale sera notre première escale. Oh, qu'un pur souche, que des bougnoules, des macaques, des assistés du système venus braquer notre cap. Ouh, dans le pénis, rien dans la tête. Pas étonnant que tous leurs fils ne connaissent que l'échec. Crâne de bois chiche, fumeur de hashish. Croyons faire le toit contre nos forces de police. Chaque fois qu'on part en balance ou en résidence,
Même là, tout à l'heure, on a balancé. On a eu 20 minutes, enfin, on a eu une demi-heure pour balancer à la fin. On a déjà un nouveau son, quoi. Ils ont joué un truc, j'ai dit, oh putain, je kiffe, mortel. Je suis parti, j'ai essayé, freestyle, j'ai dit, oh, ok, c'est bon, le mec, je vois le texte, il va s'appeler comme ça, comme si je le gratte et je vous l'envoie, et voilà, quoi. Donc, on est. Justement, le fait qu'on ait plusieurs horizons différents et des influences différentes font que. On est toujours productif, on n'a pas toujours pu creuser, quoi. On n'a pas toujours creusé, il reste en via de la place, il y a encore dans le champ, je te parlais d'une reprise de Cabrel. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, donc restez à l'écoute. Allez sur www.myspace.com/urbangriot, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Bienvenue dans la croisière aux amalgames. Ta vision des choses ici est stéréotypée. 21e siècle et toujours autant de clichés. Et c'est comme ça que dans les dossiers nous sommes fichés.